plus que ça. J'ai même plus un grain de poudre. Moins fort, Louis, tu vas réveiller la petite. Où vas-tu? Dans les pays, il m'aura pas de temps. Louis! Je suis pas manchot après tout. Et demain, je saurai m'en servir. Sois prudent! C'est pas le moment de te faire surprendre. T'inquiète pas, Annette. J'en suis pas à mon premier coup. Encore. On aime avoir beaucoup marché. Pas plus que moi. Nous avoir quitté eux depuis longtemps, longtemps. Le soleil est déjà haut. Ça doit faire au moins 2 heures qu'on marche. 2 heures? Pauvre petit pied. Ni mieux savoir petit doigt de pied mort, mort, mort. Que veux-tu? C'est pas ma faute si Biloxi est au moins à 2 lieues de Nouvelle-Orléans. Pourquoi nous aller à Biloxi? Parce que le planteur avec qui j'ai conclu un marché y habite tout simplement. Mais n'y mus mourir avant d'arriver à Biloxi. C'est bon, repos, Nimus. Tu peux t'asseoir. Monsieur Ouragan, plus grand que grand chef blanc. Écoute, si tu es fatigué, tu peux te taire. Avec argent que Monsieur Ouragan gagnait avec Monsieur Planteur, lui pouvoir acheter petit cheval, petite voiture. Et nous, plus jamais user petit pied. Si les Indiens Natchez me vendent toutes les peaux qu'ils m'ont promises, je pourrais acheter un cheval. Et peut-être même une voiture. Parce qu'Indiens Natchez, bon chasseur. Ah, ce sont les meilleurs. Ils connaissent à peu près tous les secrets de la chasse. Pourquoi vous pas apprendre à moi? Mais apprendre quoi? Secret de chasse? Petit Nimus vouloir devenir grand, grand, bon, bon chasseur. Je croyais que tu n'aimais que la chasse aux papillons. Moi vouloir chasser ours, léopard et beaucoup animaux fourrures. Pourrait-on savoir pourquoi? Nimus vouloir devenir grand chef comme grand chef ouragan. Et tu as le cœur à rire, toi? Veux-tu bien me dire pourquoi, Lucie? Parce que je travaille plus vite que toi. Oh, c'est pourtant vrai. Sais-tu, si je prends plus de temps que toi, c'est parce que je suis distraite. À cause de papa? Qu'est-ce que tu vas me chercher là, toi? Vous, Monsieur Lafont? Si M. Lafont veut bien se donner la peine. Vous dérangez pas, c'est votre mari que je cherche. Ah, oui. Où est-il? Bien, il est parti de grand matin. Je vais le voir immédiatement dès qu'il sera de retour. Oui, M. Lafont. Si ces rapports ont 2 mois de loyer qu'on vous doit, on vous les paiera. C'est promis. S'il ne s'agissait que de cela, mais il y a autre chose, malheureusement. Vous serez peut-être obligé de témoigner en justice, madame. Moi? Oui, contre votre mari. N'oublie pas, Nimus, hein? Un des secrets de la chasse, c'est de savoir attendre sans bouger. Et surtout sans parler, jusqu'à l'arrivée du gibier. Sans parler? Comme de raison. Sinon, tu feras fuir les animaux. Après quelque temps, bien, tu risques d'en voir un s'approcher. Approcher.
Et tu as raison. Vite, monsieur Ouragan, il faut qu'elle mousse. Calme-toi, laisse-le s'approcher. Mais là, l'ami. Mais tu as fait une bonne chasse. Toi, tu peux te vanter de ne pas avoir manqué ton coup. Un coup de chance. Oh, il doit bien peser dans les 150 livres. Faut rien exagérer. Et monsieur Blanc, avoir tué Chevreuil du premier coup? Mais qu'est-ce que tu as fait de ton mousquet? J'ai pas de mousquet. Mais alors, vous avoir fait tuer un animal sans faire pampan? Je l'ai pris au piège. Au piège? Salut! Hé, hey, doucement, l'ami. Nous allons du côté chez le planteur Lafont. Est-ce qu'on est encore loin de sa maison? En suivant le sentier, vous en êtes à 15 minutes dans le plus. Tu entends, Nimus, 15 minutes, sans compter qu'on est peut-être déjà sur sa concession. Pas vrai, l'ami? Et là, doucement. On va pas se quitter sans se connaître. On m'appelle Ouragan. Moi, petit Nimus. Et toi? Fortier. Oui, Fortier. Salut, Fortier! Alors, Nimus, tu viens avec moi chez le planteur? Ben, si monsieur Ouragan dit à moi y aller, petit Nimus, aller chez monsieur Planteur. Tu préférerais mille fois mieux que je te dise d'aller où tu veux, hein? Merci, monsieur Ouragan. Moi, promener dans le port. C'est bon. Va pour le port, mais rendez-vous à midi devant la cabane qui borde le quai. Compris, monsieur Ouragan. Nimus être devant en gare quand monsieur Soleil frappait fort fort sur grosse marmite. Tu vois ce sentier? Prends-le. Tu arriveras à Biloxi dans moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et moi, attendre vous devant un gars. À tout à l'heure, Nimus. Pauvre Lucie. Je te fais toujours manger la même soupe aux choux. Louis! Qui veut de la bonne viande, saignante? Dis-moi pas que t'as réussi ce coup-là? Comme tu vois. Bon sang de la vie, à quoi penses-tu? À quoi je rapporte pour 3 ou 4 semaines de provisions de viande? Et c'est tout l'effet que ça te fait? Écoute, Louis, il n'y avait pas une demi-heure que t'étais parti ce matin que Vladipa qui arrive ici. Lucie, petite, tu vas être une grande fille. Tu vas aller cueillir des herbes pour le beau chevreuil que papa a rapporté. C'est des herbes qu'on a ramassées hier soir, croyez-moi. Bon. Va. Bon. Et ne tarde pas en route, surtout. Maintenant, je peux la connaître, ton histoire? Monsieur Lafont est venu. Rapport au loyer en retard? C'est pique, ça. Il se doute de quelque chose. Tu crois? Il a même parlé de témoigner en justice. Il essaie de me faire peur. Mais cette fois-ci, ça ne prend plus. Oui. C'est pas la première fois qu'il s'en prend à nous avec ses grands airs. Seulement, monsieur, pas plus aujourd'hui qu'hier, n'a de preuve. T'es sûr? Puisque je te le dis. Personne t'a vu aujourd'hui? Non. Pourquoi? Misère de moi. C'est bien ma chance. Qui t'a vu? Aussi rien. Un coureur de bois. Un dénommé Ouragan. Qui va parler? Depuis le temps que ça marchait le braconnage, il fallait bien que je me fasse prendre un jour ou l'autre. D'accord, monsieur Lafont. Alors, entendu, vous me livrez les pots en 4 lots et je vous paie en 4 versements. Ça me convient. Parfait, parfait. Passez donc chez moi cet après-midi. Les inscrire le tout sur parchemin ne n'auront plus qu'à signer. Ah, c'est très bien. Oh, j'oubliais. Pour ce dont vous, je vous ai parlé tout à l'heure. Oui. Vous me mettez bien mal à l'aise. Oui, je comprends, mais je ne vois pas d'autre façon de le corriger. Si. Bonjour, monsieur Lafont. Bien. C'est sa fille.
Qu'est-ce que tu fais toute seule dans le bois? J'ai marqué ça parce que papa vient de ramener un gros, gros chevreuil à la maison. Est-ce qu'il est à la maison, ton papa? Attendez-moi, je vais lui dire deux mots. Alors tu ramasses des herbes? Viens, je vais t'aider à remplir ton petit panier. Vous pouvez tout de même pas prétendre qu'il vous est tombé du ciel, celui-là, hein? Eh bien oui, je braconne. Et après? Enfin, vous avouez! Croyez-vous que Louis Fortier va laisser mourir de faim sa femme et sa fille? Parce que vous m'avez loué le coin de terre le plus improductif de tout le Nouveau Monde? Mais je ne vous retiens pas si ce coin de terre ne vous dit rien qui vaille. Allez, déguerpissez! Après m'avoir payé vos dettes. Je sais pas ce qui me retient. Pour me payer? Pour vous jeter dehors. Ce sera le comble! Je vous donne jusqu'à midi pour quitter les lieux. Je partirai quand je voudrai. C'est ce que nous verrons. Et si vous ne partez pas de bonne grâce, c'est la justice qui prendra l'affaire en main. J'ai des preuves et des témoins de vos braconnages. Monsieur Lafont, ayez pitié de nous. Nous sommes pauvres. Est-ce une raison pour voler, madame? Vous m'avez entendu. À midi, je veux trouver la place libre. Eh bien, cette fois-ci, t'es pris, mon Louis. T'as entendu? On t'a vu braconner. Attends un peu que je les retrouve, ces deux-là. Je leur passais l'envie de témoigner, moi. Tu ferais mieux de m'aider à tout emballer. Faut se préparer à partir. On irait coucher à la Belle Étoile? Tout ça parce que Saligo m'aurait surpris en train de braconner? Ce qui est fait est fait. En tout cas, il sera pas dit qu'on déguerpira d'ici avant d'avoir fait un bon repas. Y penses-tu? Faut partir d'ici avant midi. À midi, on mangera. Regardez mon panier. Tout Jésus, comment tu fais pour en cueillir autant toute seule? C'est l'ouragan qui m'a aidé. Ouragan? Oui, il m'a dit son nom et il m'a posé beaucoup de questions. Pour mieux nous vendre à la justice. Louis. Il va me le payer, le mouchard. Et comme je sais où il se trouve, ce sera vite fait. Louis, je t'en supplie, reste ici. Il va nous falloir quitter la maison. Eh oui, on part pour un voyage. Un grand voyage. Monsieur Marchand, avoir dit à moi, Petit Nimus a attrapé beaucoup d'animaux avec filet. Même un ours? Oui, oui, oui. Et léopard, et lynx. Moi, tout rattrapé, tout prendre. Pour le moment, j'en vois déjà un de prix. Monsieur Marchand peut avoir dit vrai. Ça m'en a bien l'air. Petit Nimus allait parler à vilain monsieur Marchand. Pristine Nimus. Pas si tôt pris qu'il sait se déprendre. Ouragan. Ah, salut Fortier. Alors, ce chevreuil, tu vas m'y faire goûter? Exactement. Mais peut-être pas de la façon que tu penses. Mais pourquoi? Explique-moi. Ce serait peut-être à moi de te demander des explications. Sur quoi? Hein? En langage, on sera plus à l'aise pour parler. Thank you.
Bon. Attends. Eh bien, voilà. Mais quand on est pauvre, au moins on a tout fait de boucler ces ballots. Pauvre Lucie. Eh bien, il ne reste plus que ton père à arriver, puis on est prêt à partir. Vous n'êtes pas encore parti. Il vous reste 2 minutes. Mais mon mari n'est pas là. Donnez-lui le temps de revenir. Mari ou non, c'est moi qui vous mettrai dehors si vous ne partez pas. Est-ce que c'est vrai que vous avez une petite fille de mon âge? Oui, c'est vrai. J'aimerais savoir un ami, moi. Moi? Un mouchard? Et je suis prêt à le prouver. Essaye pour voir. Qui c'est qui m'a vu ce matin dans le bois avec mon chevreuil sur les épaules? Moi. Qui c'est qui a causé avec le planteur quelque temps plus tard? Encore moi. Alors quand Lafont vient me dire qu'il a des preuves de mes braconnages, quand il vient me dire qu'il y a des témoins qui m'ont vu, qui ça peut être d'autre que toi? Écoute, c'est pas dans mes habitudes de rapporter. Le seul qui m'ait vu, c'est toi. T'as la tête dure, à ce que je vois. Surtout en face d'un menteur. Répète pour voir. Quand tu voudras. J'ai jamais eu peur d'un mouchard. Damnée petite coquine. Tu peux te vanter d'être aussi fine que ma fille. Elles sont toutes pareilles à cet âge-là. Tu peux te vanter de pouvoir me faire changer d'idée. Surtout que... mon Louis n'a jamais braconné que par nécessité. Je ne peux tout de même pas le laisser faire. Si vous promettez de plus recommencer. Qui me garantirait qu'il tiendrait ses promesses? Elle. Comment peut-on refuser? Tu diras à ton père qu'il ne pouvait pas trouver meilleur avocat que toi, bout de nez. Eh, si. Merci, monsieur Lafont. Mais remerciez pas, j'ai suivi les conseils d'Ouragan. D'Ouragan? Bon sang de la vie. Louis qui l'accusait de nous avoir trahis. Au contraire, il a plaidé votre cause. Et mon mari qui est parti à sa poursuite. Mais il faut l'arrêter. Viens, Lucie. Viens vite. Tu comprendras à la fin que j'y suis pour rien. Allez. Thank you.
C'est bon. Vous aussi, monsieur Lafonce. Amenez tous. Animus. Vilain monsieur Marchand, pas avoir voulu reprendre filet, moi pas pouvoir chasser. Mais pourquoi tout le monde rit toujours, petit Nimus? Ne voyons qu'en seul toi, Nimus. Je t'achèterai un mousquet pour t'apprendre à chasser. Nimus, toi aussi, tu as invité à manger du chevreuil. Allons tous à la maison, si tu as vous en dit.